Voilà. On est parti. Salut Isabelle. Alors, bonjour Chantal. Ça va bien ce matin? Extrêmement bien. Avec ce beau soleil ce matin, cette belle température, on revient vers des belles températures. Merci. Merci d'avoir accepté de faire un témoignage. C'est toi qui es venu vers moi. Je lance des invitations des fois pour avoir des témoignages comme ça. Puis là, Isabelle, ouais, je vais en faire un! merci d'accepter de faire un témoignage pour le 7e ciel. Fait que tu es élève du 7e ciel de la 4e cohorte. Donc, ça veut dire que tu as embarqué dans l'expérience il y a à peu près un an. Et je vais te poser des questions juste pour voir, aller à la pêche un petit peu de comment tu as vécu ça, cette expérience-là. Fait que je commencerai par te poser la question. Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce qui a été ta motivation pour adhérer, rentrer dans le 7e ciel? Ça a été quoi, toi? Au départ, je ne me sentais pas comme « Ah, au secours, j'ai besoin d'aide. » C'est comme, ça fait un bout de temps que je travaille sur moi et j'étais comme sur un genre de plateau confortable. Mais des fois, sur un plateau confortable, on peut avoir un caillou dans le soulier, mais c'est confortable quand même. Donc, je dirais que j'étais sur un plateau confortable et je voyais ma sœur qui en avait tellement besoin. Alors, ma motivation au départ n'était même pas bonne. Ma motivation était de donner un coup de main à ma sœur puis de dire, ben, regarde, je vais le faire avec elle. Puis je me disais, ben, si je peux améliorer un petit peu, bah, pourquoi pas. C'est fait de tôt, hein? Ben, disons que je ne m'attendais pas à avoir des résultats comme j'ai eu comme résultat. Alors, il y avait comme un certain détachement face au résultat final. Donc, j'arrivais avec une espèce d'ouverture de ben, on verra qu'est-ce qui est là. Mais comme quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié, ben, je les ai fait les exercices, je les ai fait les lectures, je les ai fait ce qu'il fallait faire. Donc, évidemment, ben, le résultat était nettement au-delà de mes espérances. Tu as vécu toute l'expérience. Okay? On sait que le 7e ciel, c'est plusieurs volets, c'est plusieurs choses. Tu as premièrement la formation en ligne qui sont les vidéos. Fait que tu as regardé les vidéos. Tu as fait cette démarche-là. Tu étais là, principalement aussi aux rencontres avec les professionnels. On a un 7 semaines intensif avec des professionnels à toutes les semaines. Et tu étais aux rencontres aussi. Il y a des processus de paix en cette étape. Il y a différentes choses, des exercices et tout. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Comment est-ce que pour toi ça s'est passé? Puis que tu peux dire là, que soit ça a été des découvertes ou soit ça l'a fait. Qu'est-ce qui a fait que... T'sais? Alors, de mon côté, c'est la diversité des outils offerts qui m'a vraiment marqué. OK? Parce qu'il y a toujours des outils qui nous rejoignent plus que d'autres. Et selon ce que l'on vit ou selon ce qui en est. Et à travers ces outils-là, ce qui est le fun, c'est que quand on fait une rencontre de groupe, ben, il y a quelqu'un qui amène une situation qui... Il y a toujours moyen de faire un parallèle avec quelque chose dans notre vie. Et quand l'autre fait les exercices en guise d'exemple, ben, il y a moyen d'aller travailler mes choses à moi en même temps et non d'assister avec un popcorn puis regarder tout simplement. Donc, ça veut dire que chacune des interventions ou chacune des situations, on peut se retrouver à 100% à travers ça. Alors, si j'en profite pour récupérer puis travailler sur moi, ben nécessairement, ça l'ouvre des portes que je ne savais même pas qui étaient fermées. Alors, c'est ce qui me marque avec ce processus-là, c'est la capacité qu'on a d'aller régler ou travailler ou d'aller chercher des outils à des endroits qu'on ne savait pas qu'on avait besoin. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vois comme différence avec parce que j'en ai fait bien d'autres démarches ou d'autres cheminements. Mais les autres que j'ai fait, c'est comme, OK, on part du point A, on se rend au point B, puis on sait que c'est là qu'on s'en va, puis on sait que c'est ça qu'on fait. Tandis qu'ici, ça ratisse tellement large que ça vient toucher des facettes de notre vie qu'on ne savait même pas qu'il y avait besoin d'un petit retouchage. Et ça, c'est intéressant. T'as aimé ce côté, comment je te dirais, pas surprise, mais où tu ne sais pas trop nécessairement où ça va te mener? Ben, je dirais que c'est visible. Oui, parce que de mon côté, clairement,
Bon, ça faisait 13 ans que j'étais à peu près célibataire. OK, oui, j'ai fait des rencontres, mais je n'avais pas eu d'engagement, aucun engagement depuis 13 ans. Émotionnel. Tu n'avais pas d'engagement émotionnel, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. Et pour moi, c'était très clair que je n'avais juste pas rencontré la bonne personne. J'étais convaincue de ça. Puis, en faisant les exercices, puis en travaillant, wow, je me suis rendu compte qu'il restait des peurs de l'engagement, des peurs d'être contrôlée, les peurs de perdre mes rêves. Hey, la liste là, était très, très longue. Une belle liste, toi. Oui, la liste, elle était longue, mais je ne la voyais pas. Et à travers le septième ciel, en douceur, chacune de ces peurs-là ou de ces craintes ou de ces problématiques-là ont été traitées avec bienveillance. Puis ce qui est le fun, c'est que ça a été traité en douceur au moment où moi, j'étais prête à l'aborder. Mm. Puis ça, il y a une notion de respect qu'on retrouve à travers cette formation-là. Qui permet de se sentir en confiance, qui permet de se sentir... On peut se déposer tel quel. Mm-hmm. Puis si à un moment donné, on arrive sur une boîte de Pandore, ben on est capable de l'ouvrir avec quelqu'un et de dire, « Gars, tu peux-tu m'accompagner à travers ça? » Parce que moi, je vois pas clair. Et l'accompagnement se fait en douceur, dans le non-jugement. Et ça, c'est intéressant. Et si on parle des professionnels, parce qu'il y a comme tu dis, il y a une variété. Hein. J'aime beaucoup apporter de la variété, puis à chaque cohorte, j'amène d'autres variétés parce que justement, on n'accroche pas toutes sur les mêmes choses. Et si le déclic ne se fait pas là, il va peut-être se faire là. Puis c'est l'idée, en tout cas, de base en arrière. Ben, qu'est-ce qui t'a mené ton déclic? Quelle approche professionnelle auquel est-ce que c'est un processus de paix? Est-ce que c'est vraiment les rencontres de groupe en observant? Parce que ça veut dire que tu n'es pas nécessairement obligé de dire, de participer, de te nommer. Tu peux faire ton chemin pareil, même si tu es en popcorn d'une certaine façon, mais ce n'est pas là juste pour observer, tu es là aussi pour prendre pour toi ce qui se passe là. Fait que, c'est quoi le déclic le plus pour toi? En tout cas, qu'est-ce qui t'a marqué le plus parce que tu nous parlais des rencontres de groupe? OK. Ben, les rencontres de groupe, mon Dieu, comment je peux dire ça? Les rencontres de groupe, ils m'ont permis, comme je dis, de travailler des choses que je n'aurais pas nécessairement travaillées. On a eu une rencontre qui m'a vraiment marquée avec Ariane et j'ai été consultée en privé avec Ariane pour justement aller une coche plus loin pour régler des trucs avec ma mère. Ben moi, dans ma tête à moi, c'était pas nécessaire que ce soit réglé parce que c'était correct, on passait par-dessus et c'est tout. Mais finalement, j'ai une professionnelle, justement, que j'ai senti le besoin d'aller plus loin avec elle. Et sûr et certain, les processus de paix en cette étape qu'on a fait ensemble, c'est comme oh, wow! Puis même ceux que tu faisais avec quelqu'un d'autre, le fait d'assister et de faire en même temps le processus avec moi, c'est comme wow! Mm. Et ce qui était peut-être encore plus intéressant pour moi, c'est que dans la même cohorte, il y avait ma sœur et un de mes garçons. Donc, ma sœur et un de mes garçons, ben, on a plusieurs affaires. Ah non, on a pu croiser des situations qui étaient intéressantes. Donc, écoute, c'était le popcorn, là, définitivement. c'était encore plus intéressant dans le sens que le fait d'avoir des gens avec qui je partage les mêmes situations ou problématiques ou le même héritage, je vais y aller comme ça, le même héritage qui a besoin d'être fine-tuné un petit peu. Ben... En fait, c'était un peu mon inquiétude du départ parce que, tu sais, ayant trois personnes de la même famille, c'était un nœud quand même familial, tu sais, ta sœur, ton fils. Oui, on est tricoté serré, là. Oui, tu sais, puis les rencontres de groupe, j'ai dit, oh mon Dieu, ça va-tu être difficile, tu sais, de se livrer, de parler, de pouvoir aller toucher ces choses en présence d'autres personnes de sa famille. Parce que, tu sais, quand tu ne connais pas les autres, des fois, tu m'en fous, tu sais, tu y vas. Mais là, quand tu as d'autres personnes qui sont proches de toi, des fois, ça peut être un frein, tu sais. Fait que moi, c'était mon questionnement. Mais finalement, écoute, ça a été hyper nourrissant pour vous trois, je suis convaincue, parce qu'on a les trois témoignages, d'ailleurs, dans le moi, j'encourage les gens à le suivre, justement, avec des proches. Mm. Un,
Ça permet de se comprendre peut-être un peu mieux les uns les autres, de tisser des liens encore plus solides les uns les autres. Ouais. Et c'est que les nœuds qui sont à régler, ben c'est des nœuds qui s'entrecroisent. Souvent intergénérationnel. Oui. On réglait des choses avec ton garçon qui avait rapport avec toi. Tu vas aller voir la vidéo après ça puis faire comme « OK! » Mais comment tu as vécu ça? Ça, je suis curieuse d'entendre ça parce que c'était quand même particulier. T'sais, on avait des situations avec ton garçon puis des fois qui te concernaient. Puis comment est-ce que ça t'a-tu rentré dedans? Ben, avant même de commencer la démarche, j'ai eu une belle conversation avec mon garçon, puis il m'a dit clairement, inquiète-toi pas, maman, je ne te ménagerai pas. OK. C'est un gars. Fait que je suis contente de voir que lui était capable justement de faire le cheminement pour lui. Mais c'était pas méchant, c'était très responsable. Tu sais, il a vraiment fait son cheminement pour lui. Oui, à oui. Ce moment-là, ça lui a permis de régler des choses avec moi. Puis là, curieusement, ce qu'il réglait avec moi, moi, je voyais le lien direct avec au-dessus de moi. Puis là, je suis contente de dire, waouh, la chaîne est brisée. Là. Oui. Donc, lui ne répétera pas ça avec ses enfants. Là. La paix est installée. Oui, puis quand lui faisait son processus de libération, j'avais le même relâchement de mon côté. Ma sœur aussi, quand elle faisait un processus, fait que finalement, pour moi, ça a été profitable pour moi. J'ai récolté pour moi, mais j'ai récolté les fruits de mon gars et les fruits de ma sœur en plus. Là. Fait que moi, j'ai dit, mon Dieu, tout le monde devrait être sous le sang en famille. Là, t'sais. As-tu trouvé ça fascinant? C'est ce qui me vient à l'esprit. Là. Dans certaines situations, on n'ira pas dans les détails, là, mais dans certaines situations, comment est-ce que la perception de l'autre dans son histoire avec son vécu puis qui nous concerne, de voir, mon Dieu, lui, il a vu ça de même. Puis moi, je n'étais tellement pas là. T'as-tu vu ce genre de... Ah, bien, tout à fait, tout à fait. Puis il y a une situation, entre autres, avec mon garçon, ben mon Dieu, je pense que je peux me permettre de le nommer. Là. Lui, il était convaincu qu'il n'était pas bon à l'école, puis qu'il avait redoublé, puis tout le kit. Puis là, c'est comme, waouh! Et de voir comment est-ce que nous, en tant que parents, on peut être dans le champ complètement par rapport à nos enfants. Mais là, si je peux être dans le champ autant que ça avec lui, je peux être dans le champ autant que ça dans ma perception avec mon patron, avec mon conjoint ou avec qui que ce soit d'autre. Tu sais, c'est comme... Fascinant. C'est fascinant. Et surtout, c'est que ça permet de voir l'autre côté de la médaille. Ouais. Ouais. Donc, comme j'aime, moi, de le suivre avec des proches, là, mon Dieu, c'est encore plus guérisseur et libérateur, si on veut. Là. Ouais. Puis dans la résultante que j'en ai de cette formation-là, c'est que premièrement, je suis arrivée avec zéro attente. Donc, mes résultats sont vraiment là, waouh, au-delà. Puis, il y a des choses que je savais en théorie et que je savais parce que je connaissais les grands principes. Mais là, j'étais capable de les intégrer. Et la chose la plus marquante, je crois, à ce niveau-là, c'est la responsabilité. De dire que je suis responsable à 100% de tout ce qui m'arrive. Je le savais. Maintenant, je l'ai intégré. Puis, Caroline, que la vie est facile quand on sait qu'on est responsable à 100%, parce que ça permet de créer la solution à 100% et non attendre de l'extérieur ou de fru contre l'extérieur. Ça permet vraiment de se prendre en main et de changer les situations. Je suis contente que tu apportes ce détail-là, de dire que tu savais. Oh, je le savais très bien. Mais que c'était de le mettre en application. T'sais, c'était de le traduire vraiment dans ton quotidien puis de l'appliquer que... Des fois, on ne sait pas trop comment prendre cette responsabilité-là, justement. Tu sais, puis... ben, on ne la veut pas non plus. On ne la veut pas, exactement. C'est du ben là, c'est de sa faute, tu sais, c'est bien plus facile. Tu sais. Et à travers ce processus-là, de pouvoir récupérer son pouvoir, à quel point... Tu viens de mettre le mot dessus, récupérer son pouvoir. Et c'est ça qui fait la différence. Puis... en récupérant son pouvoir puis en prenant pour acquis que je suis responsable à 100%, ben vient débarquer tout ce que je prenais des autres sur mes épaules. C'est lourd en tabarnouche là, quand on ramasse tout.
Ben, en prenant pour acquis que l'autre aussi est responsable à 100%, ah, ben, je peux laisser à l'autre ce qui lui appartient. Puis j'ai pu avoir la culpabilité de ramasser la portion de l'autre. Et j'ai pu non plus à me dire que ah, ben, c'est trop pour l'autre. Non, non, c'est pas trop. C'est ce qu'il a choisi. Puis s'il est rendu là, c'est parce qu'il avait ça à vivre et c'est tout. Donc, ça vient apporter une légèreté dans ma vie. En même temps, c'est pas se foutre des autres. T'sais, non. C'est pas devenir complètement indifférent aux autres. C'est beaucoup plus être loin de là. Aux autres, puis dire j'ai confiance que tu vas être capable de t'en sortir. T'sais. Oui, parce que je suis capable de regarder l'autre avec amour, puis avec lumière, puis de voir l'autre dans sa lumière, puis de voir que les solutions existent aussi pour l'autre. Là. Est-ce que tu dirais que ça a augmenté ton taux de tolérance? Oh, tout à fait. Tout à fait. Tu avais dit non, tu t'aurais dit là, là. Mais tolérance envers moi aussi. Oui, bien, c'est d'abord ça. Hein. C'est tolérance envers moi. Ouais. Puis c'est être capable d'accepter. OK, ça, c'est là comme situation en ce moment. Bien, c'est correct. J'ai créé ça par l'ensemble de mes pensées, l'ensemble de mes actions ou inactions. Mais parfait. Maintenant, c'est là. Qu'est-ce que je fais avec? La grosse résistance, c'est comme... Enfin, comme fondu au soleil. Hein? Pour toi, là, c'est pas mal ça. Il y a tellement une résistance face à ce qui se passait. Puis là, ça a comme. Oui. Puis. C'est devenu facile. Il y a une porte qui s'est ouverte. Tu sais, c'est comme. Je suis pas capable, Chantal, de dire c'est telle chose ou telle chose ou telle chose qui a fait que. Mais je peux dire que l'ensemble de tout ce qui a été fait a ouvert une porte par rapport à l'abondance. L'abondance en amitié, l'abondance en amour, l'abondance monétaire. Il y a une porte qui s'est ouverte face à la vie. De voir, comment je pourrais dire ça? C'est ma relation avec moi-même qui a changé en premier. Et ça a permis de changer ma relation avec les autres, ma relation avec l'argent, ma relation avec mon entreprise. Est-ce que tout est parfait dans mon entreprise? C'est la seule place que ça accroche encore certaines places. Mais je ne suis plus en réaction avec qu'est-ce qui accroche. Je suis beaucoup plus en mode solution. Mmh. Donc, il y a quelque chose qui a changé là aussi. Mmh. Donc, c'est une transformation. C'est un processus de transformation. Et c'est pour ça que c'est long. Parce que ça prend le temps de faire les transformations en douceur. Puis en même temps, tu sais, on dit long. Mais c'est quoi quelques mois? Ben, sur une vie, pour changer de vie. Moi, je recommencerais, tu sais. Je recommence d'ailleurs à chaque fois, mais tu sais, ça vaut tellement, tellement. Tu sais, on peut en faire 56 000 formations. OK, oui, t'avances. OK, oui, t'avances. Tu sais. Mais là, on dirait que tu sais, ça fait comme waouh! Tu sais, je reprends mon pouvoir. Et il y a quelque chose de magique à travers ce processus-là. Ma question, j'avais envie de te dire, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Mais en fait, là, tu es en train de nous dire qu'il y a plein de petites choses, mais il y a des énergies qui ont changé. Ben, il y a une chose immense qui a changé, c'est que je ne suis plus célibataire. Okay? Oui, exactement. Alors, à travers le processus, comme je disais, moi, je croyais que je n'avais pas rencontré parce que je n'avais pas rencontré la bonne personne et c'est tout. Mais à travers le processus, il y a un très gros travail qui a été fait par rapport à ma liste. Okay? Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils savent qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Ouais. Moi, je savais ce que je voulais. J'avais une liste de 4 pages. Alors, ma liste, elle était irréaliste. Parce que je me cachais en arrière, mais je ne le savais pas que je me cachais en arrière de ma liste. J'étais en sécurité. Donc, cachée en arrière de ma liste, j'étais sûre de ne pas rencontrer la bonne personne. Donc, j'étais très confortable parce que je n'étais pas confrontée avec mes peurs. Okay? Et à partir dans une rencontre en privé avec toi, justement, j'ai été capable de démanteler cette liste-là. J'étais capable de voir qu'est-ce qu'il y avait en arrière et de traiter avec amour et bienveillance qu'est-ce qu'il y avait en arrière. Puis après avoir fait ce travail-là, puis là,
quand on a fini ce travail-là, j'ai voulu ressortir ma liste et la retravailler pour dire, OK, c'est quoi qui est vraiment essentiel sur ma liste? Là, je suis partie à rire, puis j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de ma liste. Que je pouvais tout simplement laisser être qu'est-ce qui serait là, qui se présenterait à moi, et c'est tout. Oh, tu te faisais confiance. Ben, ouais, j'avais plus besoin. Et quelques semaines après, est arrivé dans ma vie un homme qui, curieusement, ben, il répond à tous les points qu'il y avait sur ma liste. Il a fallu que je lâche prise sur ma liste pour rencontrer la personne qui pouvait correspondre à ça. OK? Et ce que je vis en ce moment, ben, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Et cet homme-là me sortit la phrase la plus belle qu'on ait pu me dire. Ça faisait 2-3 jours que je bougonnais parce que ça ne marchait pas comme je voulais au niveau du travail, puis j'étais en attente de tout bas, de tout côté. Puis un soir, blotti dans ses bras, je dis, Colin, je viens de réaliser que ça fait 2-3 jours que je ne suis pas agréable, que je ne souris pas, puis que toi, tu es tout aussi de bonne humeur, joyeux, attentionné, puis cajoleur et tout. Puis c'est comme, jamais tu me rentrais dedans et disais, hey, change d'air aussi ou ça, tu sais. Puis j'ai dit, excuse-moi de te faire subir ça, là, tu mérites pas ça, là, tu sais. Puis je dis, merci d'avoir été aussi gentil avec moi pendant cette période-là, tu sais. À vrai dire, il n'avait rien changé. Il n'était pas plus gentil ou moins gentil, il était stable, tu sais. Et il m'a répondu en me faisant un gros câlin, il m'a dit, ben c'est simple, j'ai choisi de t'aimer. Et ça, c'est de dire, j'ai comme pris conscience que, ben oui, aimer, c'est un choix. Donc, avec mes travers ou quoi que ce soit, il a choisi de m'aimer. Et c'est là que j'ai réalisé que la sécurité émotionnelle que j'ai recherchée toute ma vie, que ça part carrément du départ d'avoir passé 7 jours dans un incubateur quand je suis née. Donc, la sécurité émotionnelle, au départ, je ne l'ai pas eue, puis j'ai roulé ma vie là-dessus, là, tu sais, à recréer, puis à me prouver que je ne l'ai pas, là, tu sais. Et là, j'ai réalisé que le travail, Chantal, qu'on a fait ensemble, spécifiquement là-dessus, régler l'insécurité émotionnelle, puis aller me sécuriser de l'intérieur. Et à partir du moment où j'ai réussi à créer cette sécurité-là à l'intérieur de moi et non à l'extérieur, ben bingo, je me suis rendu compte que maintenant je l'ai à l'extérieur. Il m'a offert sur un plateau d'argent mon diplôme de sécurité intérieure que j'ai été chercher. En me disant, la différence, c'est que tu te l'octroies aussi. Ben, parce que des fois, tu le reçois de l'extérieur, mais quand tu n'es pas prête à te l'offrir, ça bloque, fait que ça ne passe pas. T'sais. Puis là, il s'est passé tellement de changements dans l'énergie pour toi. Ouais. Tout, l'abondance, tu disais. T'sais. L'abondance, oui. L'abondance est arrivée. C'est fantastique. Parce que dans le passé, j'en ai rencontré des hommes qui étaient très bons, très gentils, très tout. Mais je n'étais pas capable, moi, de recevoir ce qu'il y avait à m'offrir. Je n'étais pas capable de le prendre. Donc, c'est plus facile de tout refuser en bloc. Oui. Tandis que là, en ayant travaillé, qu'est-ce qui accrochait, mais c'est de le travailler de l'intérieur. Ben, à partir du moment où c'est réglé en dedans, ben, on peut l'attirer puis l'avoir à l'extérieur. C'est comme... Fait que ça, pour moi, c'est la plus grosse victoire parce que ça faisait 13 ans que j'étais plus ou moins seule. Probablement que j'aurais été un autre 13 ans encore plus ou moins seule parce que cette solitude-là, ben, sans m'en rendre compte, j'y tenais. Ouais. Ça me permettait de justifier que c'est à cause de... ouais. Tout ça, c'est tellement fascinant. C'est tellement intéressant. Mais tu as apporté un point que tu as souligné quand tu l'as apporté en rencontre individuelle, privée avec moi. Ça, c'est particulier parce que dans le septième ciel, on peut avoir autant de rencontres privées qu'on le souhaite. Mais encore faut-il s'en prévaloir. Parce que c'est pas moi qui vais au-devant de toi. C'est toi qui vas au-devant de moi. J'ai besoin, tu fais signe. T'sais. Et ça, tu t'en es servi. Il y a plusieurs autres élèves aussi. C'est pas tout le monde, mais il y a plusieurs autres élèves du 7e ciel qui s'en servent également. Puis sur cet aspect-là, toi, tu as trouvé ça comment? Parce que ça permet de personnaliser à quelque part. C'est le jour et la nuit.
Ça fait toute la différence parce que dans le groupe ou en visionnant les audios, il y a des choses qui sont soulevées. Puis, on a des outils pour être capable de traiter avec bienveillance ces choses-là. Mais parfois, il y a quelque chose en arrière du quelque chose, qu'un autre quelque chose en arrière de ça, qui fait en sorte que même si je traite ici, ben, il fallait traiter ça avant, là. Mais ça, je ne le vois pas, là. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de traiter avec les outils que j'avais. Puis si je sentais que non, ce n'est pas réglé ou c'est encore là, ou d'un fois, je traitais ça, puis en traitant ça, ça l'ouvrait un paquet d'autres affaires qui m'explosaient en pleine face, là. Ben là, dans ce temps-là, ben le hamster se met à spinner, puis à un moment donné, il se retrouve sur le dos, là, tu sais. Quand l'hamster se retrouve sur le dos, ben j'ai absolument besoin d'un coup de main extérieur pour venir démêler ou comprendre ou venir récupérer le morceau qui est dans mon angle mort que je ne vois pas, là. Donc, les rencontres en privé viennent vraiment permettre de boucler la boucle. Mais encore faut-il être prêt. Et comme tu disais, effectivement, il faut être prêt à les faire puis à saisir ces opportunités-là. Parce que moi, je suis convaincue que quelqu'un peut faire la démarche au complet comme spectateur. Ben, il va avoir un résultat de spectateur. Puis, tant mieux s'il est capable de piger un petit morceau ou deux. Mais c'est à partir du moment où on s'aime assez pour s'investir avec soi-même et qu'on s'aime assez pour dire « Oui, je veux une qualité de vie meilleure. » Puis moi, en faisant ce cheminement-là, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs cailloux dans le soulier qui étaient rendus confortables. Parce que quand on est sur un caillou depuis toujours, notre pied s'est adapté. Parce que l'être humain, on a une capacité incroyable de s'adapter. Fait que je me suis rendu compte que je m'étais adapté un paquet de trucs. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a des choses que j'ai réglées avec moi que je réalise qu'il y a un changement qui apparaissait parce que j'ai 4 garçons. Il y en a un qui a fait le cheminement. Mais sur un de mes garçons qui n'avait pas fait le cheminement, oups, je voyais la résultante sur lui. Parce que quand on règle pour soi, on règle au-dessus de nous et on règle en dessous de nous. Alors, il y a des choses que moi, j'ai réglées que je me rendais compte des changements sur mes gars. Fait que c'est comme, wow! C'est magique, là. Ouais. C'est vraiment magique. Puis, moi, j'ai fait une ouverture différente. Puis, whoop, j'ai même un de mes garçons qui m'est arrivé en me disant, « Hey, t'as-tu des livres à me référer? » Ou t'as-tu des... Aïe, aïe! Wow! Aïe, aïe! Puis, il n'était pas du tout dans le travail sur soi ou dans le cheminement ou dans quoi que ce soit, là. Puis, il a fait des belles découvertes. Puis, il y avait l'ouverture de me parler de ses découvertes. Mmh. Donc, il y a un canal qui s'est ouvert. Ouais, ouais. Définitivement. Et c'est impressionnant. Puis ça, comme je dis, c'est que si quelqu'un dit, OK, pour moi, est-ce que j'en vaux la peine ou blablabla, bien, garde d'abord, fais-le au départ pour les autres, de base. Puis en cours de route, tu vas te rendre compte que tu le fais pour toi. Mais tu sais, la motivation de départ est aussi importante que ça. Tu sais, comme tu sais, moi, ma motivation de départ n'était pas hyper motivée, là. J'y allais vraiment pour une ouverture pour mon gars puis ma soeur. Puis tant mieux si je peux ramasser un petit quelque chose en chemin. Je suis contente que ça ait eu cet impact-là. Sur j'ai ramassé beaucoup. Que ça l'a transformé autant de choses pour toi. Je suis très contente de voir ça. Et ça l'a transformé, comme je disais, sur mes enfants, des choses. Oui, mais c'est profond. Je veux dire, c'est pas juste on égratigne pas la surface. On va vraiment voir ce qui se passe. On va vraiment en dessous. Fait, ça fait que ça change dans l'énergie. Fait, c'est, on le porte, ça. Fait, donc, ça se transpose dans les générations aussi. Fait. Puis en plus, tu t'es occupé de toi. Tu as vu qu'avec Ariane, tu as dit, oh là, j'ai vraiment quelque chose, j'ai le goût d'aller creuser, tu es allé. Oui, je suis allée, puis et ce que je trouve fascinant, c'est la qualité des intervenants que tu as avec toi. Tu as des gens solides qui t'accompagnent, et ce sont des gens solides chacun dans leur domaine, parce que
une personne, un intervenant, ne peut pas être bon dans tout, ne peut pas couvrir toutes les angles de toutes les façons différentes. Non, exact. Alors, les faire septième ciel tout seul, si j'ai, moi, je ne pourrais pas. Je veux dire, ça n'aurait pas le même résultat. Tandis qu'avec tous les professionnels, je suis capable de les ramasser. T'sais. Je dis, je suis capable d'aller vous guider suite à chacune des interventions, mais je ne suis pas professionnelle dans tout. Je, on ne peut pas tout posséder ça comme ça. C'est, je trouve ça essentiel là, d'avoir cette diversité-là dans le septième ciel. La part des autres, justement, viennent amener une angle, une vision, une façon de travailler qui est différente. Alors, moi, j'en ai bénéficié, puis je l'apprécie. J'ai vraiment été puisée du côté des professionnels pour être capable, oups, de dire, OK, dans la rencontre, tu as parlé de... Écoute, moi, je le vois de telle façon où j'aurais besoin d'eux, puis ils ont une ouverture et une générosité de vouloir aider et contribuer au bien-être des gens, qui est assez... C'est assez remarquable. Ah oui. Ah oui, donc, bravo pour la sélection de gens qui t'accompagnent. Merci. Vraiment, chapeau. Tu as su très bien t'entourer. Merci, merci. Très, très fière de mes professionnels. Puis on a du nouveau monde qui s'en vient. En tout cas, c'est vraiment le fun. J'ai bien hâte. C'est tout excitant. Alors, à chaque fois, tu sais, d'avoir du sang nouveau comme ça. Fait, on va conclure. Je vais te poser la question. Est-ce que tu recommanderais le septième ciel, toi? Ben, tout à fait. Puis, ce qui est le fun, c'est que peu importe où la personne est rendue dans son cheminement, que la personne soit au tout début, en plein milieu ou à la fin, tant qu'à moi, tu n'arrives jamais à la fin, tu as une vie au complet pour apprendre à vivre, mais peu importe ce que vit la personne, si moindrement quelqu'un a une petite ouverture, ben oui, je le recommande à tout le monde parce qu'avec une petite ouverture, la personne va vraiment se rendre compte qu'elle peut être en confiance, en sécurité et ouvrir totalement pour aller chercher ce que la vie a de meilleur à lui offrir. Alors, sans hésiter, si vous avez le goût de réussir avant tout votre relation avec vous-même pour être après être capable de réussir la relation avec les collègues, avec les parents, avec les amis, avec le chum, avec la blonde, avec l'entreprise, avec l'argent, avec le matériel, avec n'importe quoi, bien, ça l'englobe tout. Donc, le septième ciel, moi, je le vois comme une école de vie. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Oh, que c'est bien dit! C'est une école de vie parce que c'est la vie, c'est notre vie qu'on vient chercher à travers ça. Puis la vie peut être tellement différente et agréable et facile. Je dirais que je suis dans la facilité depuis. Je pense que c'est ça que je suis allée chercher. J'ai lâché les résistances, puis je suis dans la facilité. Oui. Puis tu as dit, c'est l'école de vie. Retrouver ça. C'est exactement les mots de ta sœur. C'est exactement les mots de Chantal qui disait, j'ai trouvé ma vie. Ah, oui. Elle a dit pile ça. J'ai trouvé ma vie dans son témoignage. C'est intéressant que tu le présentes de cet angle-là. Et merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis, regarde, nos chemins n'ont pas fini de se recroiser. Ah, ben non. C'est l'école de la vie, c'est ta vie. Et puis, le septième ciel aussi. Fait que c'est le fun. Hein? Ben, on peut faire ce qu'on veut. J'ai été chercher beaucoup à plusieurs niveaux et surtout à des niveaux où je insoupçonnais. Alors, merci. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup au septième ciel. Puis merci beaucoup à tous les intervenants. Puis un gros merci aux participants aussi. Oui! Parce que chacun des participants arrive avec une ouverture qui est quand même impressionnante. Oui. Générosité, là, qui est wow! Oui. Puis l'acceptation des uns des autres à travers ça, c'est comme wow! Oui, c'est vrai. Donc, un gros merci d'avoir contribué à changer ma vie. Ça fait très, 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 très plaisir. Et puis, merci d'y avoir participé. Parce que chaque participant nous fait tous grandir.